La Minute Mondiale ici à Paris, où je me trouve chez Honda. Honda qui présente la nouvelle génération de la Civic. Pour nous en parler, Jean-Marc Streng, le patron de Honda Europe, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marc, la Civic, elle se renouvelle à une vitesse phénoménale. On est à quelle génération là ? Alors là, c'est la dixième génération. Et l'intérêt, c'est qu'on a un nouveau design, bien sûr, extérieur, et des nouvelles motorisations, tout ça en même temps. Et c'est assez rare. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de démotorisation, parce qu'il y a du nouveau dans la Civic ? Voilà, on a remplacé nos moteurs motorisation pétrole. On arrive avec deux motorisations, 1.0 turbo, 129 chevaux, et 1.5 turbo, 182 chevaux. Ça manquait un peu hein, chez Honda, les petits moteurs turbo compressés. C'est arrivé dans la Type R, on les attendait sur les versions un peu plus civilisées. Ça va faire du bien à la marque ? Absolument. Les deux valeurs de la marque, c'est être innovatif, advanced en anglais, et sportive. La sportivité, on l'a retrouvée avec Type R qui a été lancé l'année dernière sur le marché européen avec succès. Et on avait besoin d'un moteur un peu supérieur puisqu'aujourd'hui on était limité avec 140 chevaux. Donc le 1.5 turbo, 182 chevaux, nous permet d'aller chercher une nouvelle clientèle. La clientèle qui aime les véhicules sportifs sur ce segment. Elle arrive quand en Europe et en France cette nouvelle Civic ? Alors la production démarre en fin d'année 2016 et dans les concessions à partir de février-mars 2017. Donc c'est une actualité brûlante. On a déjà une idée du tarif ? Oui, absolument. On a communiqué pour la France les prix d'introduction. La gamme démarre à partir de 21 500 euros.